J'espère que vous allez bien car pour ma part ça va vraiment super bien les amis. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Glitch en exclusivité française, il me semble, c'est une exclusivité française. Alors je vous fais ce commentary. Donc sur GTA 5 Online version 1.16, donc ce glitch va nous permettre d'être en god mode et donc d'être invincible face à toutes les personnes que vous avez croisées sur GTA 5 Online. Autrement dit des PNJ, des passants dans la rue, des flics ou encore bien d'autres joueurs in-game que vous avez rencontrés sur le live. Donc juste avant de vous montrer la façon de devenir invincible, je vais vous inviter à me rejoindre sur ma page Facebook où vous êtes presque ça me fait vraiment plaisir. Et sur Twitter où vous bénéficierez davantage sur des concours que j'organiserai à l'avenir, désolé, ainsi que des bons de réduction pour des jeux comme Destiny à prix réduit et des claviers, casques et souris gamer de mes partenaires, encore une fois à prix cassé. Donc pour réaliser ce glitch les amis, vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi sur la vidéo, c'est-à-dire au club de striptease de Los Santos. Je vais vous montrer sur la map où il se situe. Une fois arrivé dans le club de striptease, assurez-vous d'avoir une demande de mission ou de course dans votre liste d'activités sur votre portable et d'avoir de l'argent sur vous, sinon ce glitch ne pourra pas fonctionner. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, allez retirer de l'argent à la Maze Bank comme moi dans la vidéo. Une fois ceci fait que vous avez de l'argent et que vous avez la mission, vous allez pouvoir vous rendre dans le club de striptease et suivre la manipulation que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Une fois à l'intérieur du club de striptease, vous allez devoir accoster une danseuse en petite tenue près de la scène et faire flèche de droite sur PS3 pour lui demander une petite danse qui va vous coûter exactement 40$. Une fois la petite danse demandée, la danseuse en question va vous emmener dans une cabine pour vous faire son show de petite danse. Mais juste avant de la suivre, faites flèche du haut dedans pour sortir votre smartphone et rendez-vous dans la liste d'activités pour ouvrir une activité tout en suivant la danseuse. Une fois arrivé au même endroit que moi dans la vidéo, c'est-à-dire juste avant la cabine de striptease, vous allez faire croix sur PS3 et X sur Xbox pour accepter la mission qui vous est proposée. Si le glitch a bien fonctionné, vous allez vous asseoir dans le siège de striptease devant la danseuse pendant que la mission que vous venez d'accepter est en train de charger. Une fois arrivé dans la mission, il ne vous restera plus qu'à faire rond sur PS3 et back, donc B sur Xbox pour quitter l'activité. Une fois activité quittée, vous allez respawn à l'extérieur du club de striptease avec votre tête qui sera bien invisible durant une dizaine de secondes. A partir du moment où votre tête réapparaîtra, vous serez bel et bien invincible face à toutes les personnes que vous rencontrerez sur GTA 5 Online version 1.16. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-moi le savoir en lâchant un petit like, un petit commentaire et surtout en partageant la vidéo à tous vos amis RL in-game sur Facebook et Twitter. Ça vous prend même pas une minute de temps sur votre journée et moi ça m'aide vraiment énormément à progresser sur YouTube en échange du service que je vous ai rendu, donc de vous montrer ce glitch. N'oubliez également pas de me rejoindre sur Facebook et Twitter où, comme je vous le disais en début de la vidéo, vous pourrez bénéficier désolé de dizaines d'avantages sur des produits gaming et de bons plans pour mes concours. Et le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez réussi ce petit glitch, juste énorme que j'ai trouvé moi-même. Donc voilà les gamers, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace, ciao les getters.